c'est la deuxième fois. On est mais dans eux, on tient eux, c'est vers le 150. À travers le projet Back to Work, plusieurs madames peuvent suivre un cours de pâtisserie à l'école hôtelière Sagaïton Duval. Pour cause de sa cours-là, nous accueillons le responsable de la formation et aussi deux étudiantes qui peuvent suivre sa cours-là. Chef Kistu, ou quand vous dites à nos téléspectateurs, quel est l'objectif de sa cours que l'école hôtelière Sagaïton Duval peut donner de la pâtisserie? Bon, ici à l'école hôtelière, vous m'avez trouvé, nous avons un participant de ministère emploi qui a travaillé avant et qui a perdu emploi. Alors nous avons un cours ici de cours de l'hôtellerie quand nous reprenons aux autres, nous formons autres dans une filière qui sont contents. Et là comment on va trouver il y en a qui la pâtisserie là, nous avons la cuisine, nous avons la restauration. Alors nous but c'est donner aux une deuxième chance. Vous êtes capable de la vivre ou de travailler pour vous-même, un petit business, de trouver un emploi quelque part pour vous l'avenir, pour vous l'avenir de votre famille. Okay? Et en même temps, vous aidez l'emploi dans, on va dire, dans l'industrie, vu qu'il nous manque de main-d'œuvre. Et là, nous là pour former vous autres dans tous les secteurs de l'hôtellerie, de la pâtisserie, cuisine et tout. Dis-nous qui durait sa cour là et qui va nous élèves à prendre ici? Et nous avons beaucoup. Parents, élèves, venus, je pensais que l'école hôtelière, c'est juste pour une certaine catégorie, c'est juste pour les jeunes. Non. En fait, nous, les élèves, nous commençons à partir de 16 ans. 16 ans, c'est les élèves qui ne font quitter l'école. Je donne une certaine qualification au niveau collège. Alors, je viens là, faire des inscriptions à la base de formation qui nous fait pour NC3. NC3, c'est la base. Apprentissage, vous venez là un jour à l'école et le reste du temps, vous êtes dans l'entreprise pour faire votre stage. Alors, c'est 16 ans et l'âge limite, nous payons là. Comme dans sa cour même, aujourd'hui, vous trouvez que nous avons un participant près de 50-55 ans qui peut faire une petite entreprise que vous pour votre travail. Et notre objectif, c'est nous, nous là pour aider pour votre avenir. Et qui est le critère qui vient pour appliquer pour sa cour là? Pour nous, pour un apprentissage, les participants, ils doivent avoir minimum 16 ans et minimum forme 4 pour débuter. Et puis, là, comme le dit le part-timers, nous appelons ça le cours du soir. Okay? Ils débutent à partir de 3h à 7h dans tous les domaines. Mais là, nous avons une restriction d'âge. C'est la personne sur vouloir. Il y a une ménagère, il a envie de faire sa cour là, de cuisine, de pâtisserie, ou peu importe quel cours, nous là pour être sûr. Oriane, tu as dit à nos téléspectateurs, comment tu fais connaître l'existence de sa cour ou pâtisserie là? Moi, je fais application au ministère de l'Emploi. À ce moment-là, on a demandé, comme je n'ai pas aucun métier en ce moment, on peut demander qui cours je peux suivre. Je me suis dit, il y a un cours qui peut donner back to work, essayer d'employer. Je me suis employé sur Internet, à ce moment-là, je gagne ce cours-là. Et je propose plusieurs cours, mais je préfère la pâtisserie, je me sens plus à l'aise à la cuisine. Pâtisserie, cuisine, tout ça. Mais je gagne un chef qui est vraiment bien gentil avec nous, il n'a pas chance, il montre nous bien. Beaucoup de choses on apprend de fêter, pâter, que c'est des affaires qui ne pas connais. Enfin, je connais comment, mais je ne connais pas pratique tout ça. Mais ici, je viens ici, je connais beaucoup de choses. Et qui est différent pour un gâteau que tu viens d'apprendre faire ici? Bah, pancake, je déjà connais, je commence à apprendre fruits d'amour, et une cookies, un fêter, une tarte. Ben, la pâte torte, je ne connais pas trop connaît comment vous avez fait. Mais après, on apprend plus d'amour, pancake et beaucoup d'autres choses. Croissant, qui on apprend à faire, on ne peut pas faire aujourd'hui. Croissant aussi. Est-ce qu'il court là le difficile, Oriane? Non, pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Ben, je dis que trouve une femme qui est intéressée à faire la cuisine, c'est compte à faire pâtisserie, je me propose de faire ça cours là. Avec un chef très gentil, un chef très gentil. Oui. Et donc, est-ce que tu pourrais encourager les autres madames une suite? Oui, évidemment, moi, tu peux dire, madame, si vous êtes intéressé, je prends un cours là.
Prenons un petit gardien de téléspectateur qui finit encourage toi pour suivre sa cour de pâtisserie là. En fait, moi, quand on a la cuisine, donc, bien sûr, chaque fois que j'organise un job fait, moi, je donne mon nom. Mais surtout, je donne mon nom de un coup qui organise pour le gouvernement, qui m'a capable de faire. Alors, un jour, je gagne un call pour le ministère de l'Emploi, précisément pour le Back to Work programme. Et je dis, pour nous, tu déjà enregistré ou non pour un coup? Je dis oui. Donc, l'in dit, moi, ben, nous pouvons un coup bientôt commencer si vous êtes intéressé. Je dis, bien sûr, qui un coup peut commencer? Et il y a une pâtisserie, et une bakery, et une early childhood care, une beauty care, encore les autres choses. Donc, je me dis, OK, je préfère pour un pastry, parce que je suis content gâteau, content douceur. Et que, bien sûr, vu, du moment où je suis en cours, la première chose qui me vient à l'idée, c'est ça pour aider moi à créer une entreprise ou bien créer quelque chose pour moi-même. Donc, je me dis, OK, je prends une pâtisserie. Donc, ça qui est un petit peu pousse moi pour venir faire ça. Et qui est le différent gâteau que tu finis par faire ici? Ah, depuis notre entrée ici, nous commençons à faire pâte feuilletée, chou à la crème, génoise, nous faire, comment dire, c'est croissant, pâté, et comme aujourd'hui, variété qui est devant nous, nous apprenons ça. Et dis-moi, est-ce qu'il coule là difficile? Pas du tout. Si vous êtes amoureux avec la cuisine, ou avez une passion pour la cuisine, pour cuire et surtout pour donner quelqu'un à manger, comme nous disons, nous apprécions les nuns cuits, mais une autre personne manger et après dire nous comment lui passer. Donc, si vous avez une passion pour la cuisine ou une passion pour le gâteau, ce n'est pas difficile. Et est-ce que tu peux encourager les autres, madame, de suivre sa cour? Évidemment, moi, je peux encourager autres parce que les cours, c'est gratuit. C'est pour tout organisé par le ministère. Donc, c'est le ministère qui peut prendre en charge tous les paiements pour les cours. Donc, nous ne pouvons pas payer non rien, nous payons que nos transports, nous payons là. Donc, moi, je peux dire tout, madame, par rapport à la chance là. Zodi, COVID, beaucoup de monde perd du travail, beaucoup de monde peut pleurer, peut manger. Mais si le gouvernement peut donner l'occasion d'apprendre quelque chose gratuitement, profitez. Ou pas connaître demain ça, comment pour changer la vie, comment pour tirer ou depuis d'un problème et comment ou capable soutenir ou la famille aussi. Donc, moi, pour dire autant venir, profiter, faire à coup là. Et sans oublier, moi, pour dire ça, qui fait moi les autres venir aussi, parce que nous avons un chef ici qui nous a, surtout pour la pâtisserie, comme moi, mon chef, M. Kistou, il y a un chef vraiment très adorable. Donc, il y a la patience avec nous. Donc, parfois, nous posons beaucoup de questions, nous embrouillons, parce que nous plus jeunes étudiants, nous embrouillons avec beaucoup de questions. Mais avec la patience, il aide nous. Donc, c'est pour ça que je dis aux autres, pas peur, venez apprendre après ou même au pseudo gagnant. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.